sont pas rebelles, monsieur Mouzon, ce sont des militaires rwandais qui ont entré dans Bokanabisson sans aucune permission et qui ont enlevé le chef coutumier d'un territoire et qui l'ont ramené jusqu'aujourd'hui. Nous ne savons pas où il se trouve. Voilà. En tant que politique, j'exige sa libération et Azalana bonne santé. Parce que nous ne pouvons pas accepter un groupe militaire étranger et qu'on a Bokanabisson et qu'on a enlevé autorité dépositaire et autorité ancestrale, un chef coutumier. Oui, non et non. J'ai la liste ici qui m'a été communiquée. Il y a une coalition, il y a une rébellion au Ebengami Ngomino, Moussous Ebengami Tungano, Moussous CNRD, Moussous Ritabora. Donc, Batouana, Moussous Android, Moussous FNL, Bauti, na Rwanda. Batouana, Bazali, Koboma, Kobebisa, Kobourger, Peko Kipe, le territoire Nabisso. Pourtant, Tatoum ne parle pas, Bozobanga Baminel aussi, parce qu'en politique, lorsque quelqu'un parle, on dit que non, c'était lui, c'était pas moi. Non, nous n'avons pas peur du tout. Le président Katumbi sait parler en face de Moutounioso où ils allient vérité pour l'intérêt du peuple. Mais pourquoi il ne dit pas aux Congolais? Ça, c'est la question. Pourquoi il ne s'adresse pas aux Congolais directement, tout comme aussi les autres, Fayou ou Bemba? Silence, Navarro, c'est la complicité. Ce qui est M. Félix Lelo, il y a un conseil Nabisso, il y a un bela Nabisso, il y a une sagesse, il y a un déconnaye, Moïse Katumbi Zali Kopé, ça y est, et que ce qui est échequé, je vous l'ai dit, devant l'histoire, et que vous avez la responsabilité, il y a Yémo. Surtout, là, je suis à l'Est. Surtout, dans l'Est, nous avons des acteurs politiques de haut rang qui occupent des fonctions énormes dans Bokanabisso, des fonctions importantes, pardon, dans Bokanabisso, et qui ont aussi des fractions rebelles Kuna dans l'Est, et puis, Bazali Kopé, tout s'amitié, dans Bokanabisso, qui ont violé ma maman depuis très longtemps. Alors, tu as interpellé ici le chef de l'État, l'institution président de la République. Alors, Baki a coaché la Bisso, poste avancé pour la sécuriser Mbokana Ngamboana. Mais ce qui Bisso, au Manaouchou dit Toyebi, ça veut dire que le chef de l'État est le citoyen numéro un qui doit être bien informé, il le sait. Alors, j'interpelle M. Tshilombo Félix, Mokonzi Mbok, Salamakas, Batounio Sobazali, Nzinga Zinga Nayopi Bazana politique, Naba fonction amenée à Mboka Lelo, Bazana ba fraction rebelle Mbokana Bisso, Batouane Sengeli Bakangama. L'état de droit, c'est ça. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, arrivé à l'Union Européenne à Congo, est-ce que l'Union Européenne va apporter solution pour la République démocratique du Congo? Tout le monde sait ce qui s'est passé en France, Congo va beaucoup faiblir, dans le cas de la pandémie ou de la COVID-19. Est-ce que soutien à la Congo est la solution pour Nabisso? Est-ce que ça pour l'intérêt ou pas? Mais tout le monde aussi en sécurité dans l'Est, la République démocratique du Congo, place où tout le monde on y a ça pour réclamer, haut et fort, il faut tout que nous avons dialogue intercommunautaire quoi intégré ba outu ba tout ba rwandais au bazana est na katia armée nebso ninge salamara Joseph Kabila na 2006 et ninge ba imposé qui encore en 2013. Est-ce que ils a une solution? N'oubliez pas aussi que l'Union européenne a sengi to que na transition na pour intégrer la mouka pour intégrer ba force tout même ba kabiliste aussi na katia gouvernement à Félix pour en qu'une transition jusqu'en 2023. Est-ce que ils a important te reparler aussi sur Moïse Katumbi to monier asa ko sala bilanga la katanga? On se pose la question pourquoi asa la ki bilanga tant que ça y gouvernait, mais pourquoi il le fait maintenant? Ça, c'est la question aussi. Ma congolais, on a posé, on va comprendre. On va reparler en haut avec M. Otchudi Omana, Evariste Oazali, Brado Ya Katumbi, et aussi président APK, initiateur y a APK. APK est un mouvement au Webin, la diaspora aujourd'hui en France, et en Père, tout le monde en parle. M. Omana, bonsoir. Bonsoir, M. Mouzon, bonsoir, peuple congolais. Voilà, bienvenue dans cette émission, M. Omana. Tout le monde est arrivé il y a. Il y a l'Union européenne à Kinshasa, Tomoni Le Drian qui dit clairement qu'aujourd'hui, Bazana posa tout qui est la transition. Transition, on a, il faut réunir la force politique nous sur le Congo pour qu'il y ait une élection en 2023. Est-ce que c'est important pour qu'il y ait une transition aujourd'hui? Merci M. Mouzon pour la question qui est très pertinente. Pour la Bisso, Action pour le Congo, pour la Bisso, Ensemble pour la République à Moïse Katumbi, nous pensons que la France est un pays ami, et ceux qui sont dans l'Alicambo, et ça, Bisso, ma Congolais, de Toko Benga Bango, to Zanaposa, il y a l'Isungi, il y a conseil, il y a expertise technique na Bango. Mais Bango, Balongo, avec une forte délégation à l'Union Européenne, Koko Mana Congo, je ne sais pas, l'invitation à Nani, Bakeneko Senga, tout ça, là-bas, dialogue communautaire. Je crois qu'il y a un problème. Pour ma part, tous allez qu'on dénonce actionna et tous allez qu'on dise que ingérence internationale. Nakatia territoire, il y a un pays souverain. Ce qui les lo, Mokozambo ka Tshilombo Tshisekedi, asali bilo ko nengona to komona yango mabe. Pourquoi to lobi bongo? Parce que ce qui les lo, France, Belgique, Argentine, tombo ka songolo paka. Et ça ali kambo.
et qu'on traite yango moko to kanisi ke Congo eza na bato mayele na bana mboka ba politiciens ba sifé mibali lokola Moïse Katumbi lokola biso Bevariste Omana uchudi toza na makoki ya komema e ya no makambo itali biso mais ba uta musika ba epa na biso na souci ya nini mais c'est très important parce que lorsque l'on dit que il faut biso monter la décision comme ba français ba avoir décision na mboka na bango ce qui s'est passé na France ici to moni comment la France dit à l'obin États-Unis que makambo ya France a s'occuper na ngota kota yango te. Mais vous aussi, les hommes politiques, votre leader Katumbi, la classe politique, la Mouka, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo, vous avez bouche bée, point de vue de la minorité malacté, vous vous êtes adressé à la population, vous avez sa opinion de la minorité et vous avez aussi même pas que la Moussa, mais vous avez un entourage à Félix Tshisekedi. Alors, lorsque vous faites silence, ça veut dire que vous êtes aussi complice à ce qui se passe actuellement? Non, loin de nous toute complicité, je pense qu'un pays comme le Congo, un leader politique local, Moïse Katumbi, un acteur politique local, M. Tshudi Omane Evariste, nous n'avons pas de leçons de recevoir à personne. Nous pensons que nous avons tous les gens qui ont été pour nous avoir une décision pour nous avoir une décision. Mais pourquoi cette silence alors à ce moment-là? Alors, silence est une stratégique. Donc, on l'a quand il faut et on l'a fait pour l'observer quand il faut. Mais les Congolais ont besoin de la poussée à aujourd'hui, c'est ce qui se passe parce que le pays va mal. C'est pour cela que nous avons été pour nous dénoncer l'arrivée de la communauté, de l'Union européenne, dans le au Congo. Il y a un peu de limola dans le point misato. Il y a un sur le plan économique. Ba mindele ba moni ko tikela batu moindo lokola Congo ebele a richesse o bazana ngo ba ko sala par tout le moyen na makoki na bango bati ya mobulu nyamu nyamu na mboka na biso po bati ya maboko na richesse na biso kita auto zana ngo nzamba pesa ki biso ya mibale ezali sur le plan politique ou stratégique ba kolinga toujours bati ya esika wana moto oyo bango ba ko diriger to ba ko manœuvrer azala marionnette na bango comme batsa ki la muka aussi na election bazala pion na bango pour manœuvrer Congo. Non, la muka ezala ki bongote, vous savez, la muka est serenisaki na Genève toponaki Martin Fayulu Madidi candidat numéro 4 to soutenir et makasi to battre campagne elongo na ye pour azala porte étendard ya opposition congolaise. Mais élection c'est le maki malamoté boye biango na Congo tilelo. Toutes les trois élections au Kabila Sali, et c'est là qu'il y a malamouté, et c'est là 2006, il y a 2011, tout awa, Nasuka, le 30 décembre, il y a 2018, et c'est là qu'il y a. Mais quand est-ce que l'élection vous allez bien en ces cas-là? L'élection est que vous allez bien, ce qui, la première des choses, d'abord, vous allez dans l'appareil démocratique, il y a un peu de balai, ce qui est balayé, Seni ou Yananga, parce qu'il y a Kabila, vous allez aussi Seni à Sika, ou vous tikeli carrément, comme ça s'est fait dans tous les autres pays, dans toutes les autres démocraties, et c'est là. Ministère y a intérieur et organisé élection. Bongo et cause la élection à malam. Élection et cause la corruption. Élection ou yo et cause la seulement classe politique, moko famille politique, moko motozo comme ma élection tina souka. Non. N'est-ce pas que vous avez élection à malam au peuple souverain à reprendre Batounaï. Je voulais soulever un point important, très capital au Bakongolais Sengeli Baye Bangolelo. Monsieur Kabila, Azali ko s'organiser, comment à contrôler l'appareil, il y a élection, n'a pas élection ou yo ya. Alors dans ce cas, Bazali ko proposer Kati dabango na FCC bati ya monsieur Katintima o azalaki le premier vice-président ya Kone Nanga Kabila contrôlé bongo makambo ekende ndenge bango bakolinga. Biso ba opposition lelo na Kati ya la Muka, biso action pour le Congo avec un sigle Bazali ko défendre patrie na biso, biso ba etoza sima Moïse Katumbi na Kati ya ensemble pour la République, tozali ko lo baboyé, to boyi makambo ya Seni. Seni ça la composé na trois composantes. Il y a les Ezali parti au pouvoir, il de pèse les lots, il y a mis balé Ezali opposition. Bisso la Moka, dont Moïse Katumbi, Azana force politique, Mouna Katia Parlement, qui est pressenti pour Azala, porte-parole et opposition, Ezali Kotali, jusqu'à présent, nous ne savons pas pourquoi, nous sommes en train de dénoncer. Et puis il y a mis ça tout société civile. La composante, mis ça tout pour ça là, Seni. Mais Seni, où y a Kalatumona qui y a Nanga, Ezala Malumalu et les autres. Il y avait aussi l'opposition à Seni, à Kalabozala qui, vous, l'opposition, vous avez c'était une fausse opposition, vous savez. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui, Bazapi Nagati à la Mouka. Écoutez, les pouvoirs du passé, ils ont surdoyé les gens qu'on a placés, soi-disant, comme opposition. Mais je vous dis aujourd'hui, la vraie opposition, Ezala Nagati à la Mouka, et Sikanini Moïse Katumbi à Zouami, et Sikanini Variste Omana à Zouami, et Sikanini Fayoulou à Zouami, et Sikanini les sénateurs Bemba Gombo à Zouami, et les autres. Mais c'est ce que tu dis. Oui. Aujourd'hui. La Mouka et cette alliance na Kabila, parce que tout le monde Jean-Pierre Bemba s'allie aujourd'hui na Kabila. Non, écoutez, je pense que vous voulez parler Makambuya député Oyo Akendei ko poser motion contre Kaboun du poids à la demi. Azali Moutou, il y a Bemba MLC, c'est vrai, mais
la mouka est saliée na kabilité, la mouka éthicale, la mouka comme opposition. Et même le mot le dit bien, que la moussa peuple, ça veut dire quoi? Réveiller les gens, que le balabatouba veiller battre. Donc vous saliez alliance, alliance na Kabila. Ni avec Félix, ni avec Kabila, nous sommes à l'extérieur du pouvoir. Parce que aujourd'hui, nous sommes avec le peuple en train de veiller. Parce que vous, vous négociez avec Félix aujourd'hui, vous avez ça là-bas, alliance na Félix, Kalombo est en train de diriger les négociations à Kinshasa avec le pouvoir de Félix, pour vous allier, vous s'associer beaucoup dans le gouvernement aussi. Non, monsieur Mouzon, de notre côté, il n'y a aucune alliance, aucune négociation avec monsieur Tshilombo. Il est au pouvoir. Nous sommes à l'extérieur de l'opposition. L'honorable Fassi Kalombo est à Kinshasa. Il fait son travail d'avocat. En même temps, il est aux côtés du président Moïse Katumbi. Nous n'avons, je précise ici, aucune négociation. Et ça, dans M. Kabila, encore moins dans M. Félix, mais Bissot, tout ça, dans la opposition, avec Bandekona Bissot à la Mouka, tout ça, travail et longo na APK, Action pour le Congo, pour la Mouka Bissot. Tu vas venir encore sur le deuxième point, parce que vous avez trois points. Premier point, vous expliquez. Deuxième point, vous parlez politique, vous parlez politique, pour contrôler le Congo, comme aussi aujourd'hui, comme hier, bah, imposer Bissot Martin Faïb dans la Mouka, pour le Congo, pour récupérer en haut. Parce que lorsque Félix Tshisekedi passe président, tout le monde a une déclaration à Europe, il y a France et puis il y a Belgique, que nous avons perdu le Congo. Donc avec Fayoulou, parce qu'il va soutenir qui la Mouka Fayoulou. Donc avec Fayoulou, bah, occidentaux, bah, il va perdre la Mouka, bah, il va perdre le Congo. Parce qu'aujourd'hui, bah, il plaide que tout ça, là, tout qu'il y a la transition jusqu'en 2023, bah, Fayoulou, la Mouka est côté dans le gouvernement à Sika. Non, nous nous pensons comme ceci. Je crois que la mandature de Félix est entamée depuis un an et demi aujourd'hui. Nous savons que c'est le fiasco avec la complicité de la coalition et le Mona Kabila, Toyebi Kekosu Kamabe. Nous sommes en train de les observer. Toyebi peuple a mené déjà misère, peu Makambe Bélé. Déjà Félix, avant la fin de son mandat, a zan akati a échec et nous le savons, Topé si conseil Bélé, Moïse Katumbi a l'obinaye. À la fin, peuple congolais a kotuna yo nasuka parce que yom tout à l'heure conduit le peuple le lot et kozala bilan IDP c'est kozala bilan ya Félix mais biso to konti kati na bangote. Mais je voulais revenir sur le troisième point que j'avais dit sur les trois points. Il y a le bousso zala qui politique a mis balai économique, il y a mis ça tout à l'heure sanitaire au yebi que COVID-19 auto pandémie et outi kolekana mukili il est allé encore jusqu'à maintenant et c'est bomi batu ebele. Mais tout à l'heure très étonné bakende ko soutenir le Congo où ils allaient même pas na 100 morts ya COVID. Batiki Espagne, Batiki France, il y a un moment qui souffrit rebelle avec plus de 27 000 morts, Batiki États-Unis, Batiki Lelo, Brésil, et ce qui est un rebelle, Batiki Kosunga Congo. Tous les colonisés Maloba, il y a Moko Nabiso, le jeune médecin Georges Mounyangi, qui a donné un cri d'alarme pour dire que le but sanitaire pour nous trouver un vaccin le plus rapide, et ça pas seulement la COVID-19, mais la maladie, sous le col Ebola, tout sida, qu'il y a 7200 jeunes, la majorité filles, Nakati à Congo, en complicité avec M. Mouyembe et le président actuel Félix Tshisekedi, parce que Maokita Bongo, ce qui va nous permettre, donc, équipe à riposte, l'élo est cause la responsable. Maintenant et devant l'histoire, ce qui va y être inoculé, bah, vaccin, il y a essayé, Nakati à Mokanabiso et pas à Banamike, et vous voyez que le protocole, il y a monsieur Ekolanga, Babo Yango, le protocole, il y a Ndekonabiso, le jeune médecin Georges Mounyangi, Babo Yango, mais Bazali, qu'on maintenir, bah, essaye clinique, la Katiambo Konabiso, frauduleusement, avec l'Union Européenne. Et puis, Tozali, ici, qu'on relevait un point grave pour la Koloba, même la OMS, que, bah, la attention, parce que Bisso, bah, Congolais, Tokolinga, ceux qui m'inquiétaient. Yango, Nazali, qu'on lançait alerte, Nazali, qu'on lançait appel. Il y a population congolaise, Mobimba, surtout, la jeunesse, les étudiants. Bola Mouka, Motumo Kote, Andima, Vaxon, Ekotana, Bokanabiso, Botele Mela, Loko la Bengang, Mamona Ituri, na Goma, na Bukavu, en plus na Kinshasa, Bobenga na Batuana, Vaxon Moko, Ekotate. Voilà, et puis, donc, bah, qui voilà, Sengeli ba répertoriant. Ton marqué pour se revenir juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Monsieur Mana, parce que c'est très complexe, parce que lorsque l'on dit qu'il faut en parler, mais ce qui est étonnant, le Congo va mal. L'Occidentaux va imposer Bissot aujourd'hui, va imposer Bissot appareil à assistance respiratoire aujourd'hui. Autant qu'on a qui na France, ils vont mieux battre Bélé parce que les autres vont être comment? Et par la suite, parce que débrancher, bah, tout bah, parce que bah, ça, la choix, la médecine française fait les choix, et bah, bah, vivre là, bah, pour faire. Lorsque bah, qu'il y a le Congo aussi, c'est pour faire les choix, pour trier bah, Congolais, bah, pour vivre. Ou encore, parce que j'ai suivi un médecin en France, la télé, qui faisait la déclaration, qui disait que lorsque vous verrez en France, comme on a seuil, il y a 25 000 personnes, bon, au moment on va déconfiner, bah, tout. Ceux qui ont mis à 30 000, va déclarer pandémie civile. Et c'est la demande, et là, c'est ça la demande, oh, et Salama, c'est la demande spirituelle. Donc, c'est pas rituellement, et Salama qui, les États-Unis, il faut atteindre 150 000. La France, 30 000, bon, au moment on
pour arrêter un peu cette histoire de pandémie. Ça, c'est un médecin qui parlait directement à la France Télévision. Alors, lorsque ça se passe comme ça au Congo, maintenant on vient nous imposer cet appareil voilà, pour aussi débrancher les Congolais des forces. Comment vous débranchez le Congo, il y aura des milliers de morts. Vous, l'opposition, c'est ce qui dérange aujourd'hui. Martin Fayulu, le leader, il y a l'élection, il y a la Mouka, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Vous faites la politique des muets. Et cette politique n'existe plus. Pourquoi vous êtes exemplaire, vous ne frappez pas la main sur la table pour dire qu'écoutez, Félix a fait ceci avec les Occidentaux, ou Félix fait ceci, nous voulons ça, nous proposons ceci pour les Congos. Vous ne le faites pas. Lorsque vous avez le pouvoir, vous ferez la même chose que Félix, parce qu'on suppose que comme si vous n'avez pas de vision claire pour ce pays. Monsieur Mouzon, nous avons une vision très claire pour Nambou Kanabiso et qui porte aussi l'intérêt du peuple, sinon on n'est pas un politicien, sinon on n'est pas de l'opposition. Mais nous pensons que Makamouneng de Salman Nambou Kanabiso est allié bien. Nous avons des valeurs sûres dans le domaine médical, le docteur qui a aidé les femmes à niveau ya Est, qui est prix Nobel, Nakati Mboka Nabiso, voyez Makamio Suleki, il n'a pas été consulté. Alors, nous sommes en train de dire ici qu'il y a un problème très sérieux. Nazako réveillé le chef de l'État, M. Félix Tshilombo, de pouvoir jeter un coup d'œil parce que santé à peuple Zali, les Kamoukou Yamoutou Yakoleka. Voilà pourquoi Tozakoloba, Bisso, Baye Opposition, Bisso, Batu APK Action pour le Congo, Bisso, Assemble pour la République, parti à Moïse Katumbi, Tozakoloba, Essengeli, peuple à la Mouka. Parce que j'ai toujours dit ceci, si les autorités politiques, les autorités de l'État ne font pas ce que le peuple veut qu'ils le fassent pour leur intérêt, le peuple doit s'élever pour défendre son intérêt. Je pense que maintenant, il advient au peuple congolais, battez les Mapoba, défendre Makamuna Bango. Baki si nyonsu et outina poto, et yena ba mindele, y a une européenne. Baki si nyonsu koukouma et sikawana, moutoumoko azoué angote. Pourquoi Katumbi ne parle pas? Bozoban ba mindele aussi, parce qu'en politique, lorsque quelqu'un parle, on dit que non, c'était lui, c'était pas moi. Non, nous n'avons pas peur du tout. Le président Katumbi sait parler en face de Moutounioso, où ils allient vérité pour intérêt à peuple. Mais pourquoi il ne dit pas aux Congolais? Ça, c'est la question. Pourquoi il s'adresse pas aux Congolais directement, tout comme aussi les autres, Fayulu Bemba. Silence Navarro, c'est la complicité. Non, ce n'est pas un silence. Vous avez vu récemment le président Katumbi, Asalaki, interview Moko na Kachoboué, a dénoncé qui Makamboué Bélé et Zala Makamboué Santé. D'ailleurs, Aza Moko Yabai politique Oyo, a pesa qui 4 ambulances dans l'hôpital Bombashi, a pesa qui plusieurs tonnes de masques, dans thermomètre laser au Kozamoto, a pesa qui distance. Appareil assistance respiratoire. Oui, a pesa qui met ça a été acheté et contrôlé. Toujours condamné par français. Écoutez, Oyo, c'est la même chose aussi. Oyo, c'est l'Union européenne, Ezali, Oyo Katumbi a pesa quitté. Ça, c'est notre lot. Alors, qui a contrôlé Oyo Katumbi? Qui a contrôlé ça? Écoutez, il a déposé entre les mains de médecins des hôpitaux qui vont valider et puis ce sont des appareils qui sont fiables, utiles pour na. Est-ce que ma médecin a un compétent pour parce que tout le monde a qui certainement ce sont des médecins qui ont une expérience forte depuis longtemps au niveau des hôpitaux à Lubumbashi au Katanga. Tout le monde a qui mouillé nous disait que coronavirus pas besoin la cinquantenaire il y a coronavirus, mais jusqu'à ce qu'il a fallu faire venir les Chinois pour valider que besoin la coronavirus. Alors il y a un mensonge au niveau de l'État. Alors vous ça, ce qui dérange les Congolais, c'est que silence Nabino. Nous avons l'impression que vous acceptez ce qui se passe au Congo, vous accompagnez, parce que le chèque de Félix aussi est votre chèque, parce que vous ne dites rien. Non, monsieur Mouzon, pas vous ne soulevez écoutez, pas les Félix points qui dérangent aujourd'hui les Congo. Félix est en pouvoir, Bissou est en pouvoir. Le chèque à Félix, le président Katumbi, le peuple a retourné, et vous avez le chèque à Yéto, il y a IDPS. Attention, donc Bissou est en opposition. Ce qui met Félix, c'est l'élo. Aboué Koka conseil à Bissou, Aboué Koka Mbela à Bissou, Aboué Koka sagesse, Yande Konaye, Moïse Katumbi, Zali Kopé, ça y est, et que ce qui est chèque, je vous l'ai dit, devant l'histoire et qu'on a la responsabilité, il y a Yemo. Mais pourquoi? Parce que lorsque vous dites à Félix comme ça, pourquoi vous ne proposez pas? Parce qu'il faut proposer aussi, parce que si vous ne proposez pas, il ne saura peut-être pas quoi faire. En ce moment-là, il faut proposer. Ici en France, la politique, lorsque Macron échoue, l'opposition en France propose mieux que ce que fait Macron pour que Macron soit à la raison. Mais vous ne le faites pas. Vous savez, nous sommes l'opposition, nous sommes là pour observer, dénoncer, et proposer, mais vous ne proposez pas. Ce qui est bien, aussi, je viens de dire, la proposition. Nous proposons, par exemple, Makambo et à Nzala Namboko Nabiso, inflation et à économie Namboko Nabiso. Le président Katumbi a donné des théories et de pratiques sérieuses pour nous faire un dollar et mandat. Quelle proposition? Par exemple, à Katibilanga, na Katanga, au moins 6 000 hectares de maïs à récolter autant de tonnes. Il veut mettre à la disposition de la population congolaise pour atténuer la famine à niveau est, pardon, à niveau à Katanga. Ça, c'est une très bonne proposition. C'est une bonne proposition. Pas autre chose, par exemple, Tango Azui, ambulance à Somi Nambongo Naïe.
tant à jouer bah appareil pour la cause attention p bah masque pour la cause limiter ou éliminer la contamination. C'est une proposition, c'est une pratique et c'est une action salutaire pour notre peuple. Mais le président Kapoumbi est là, l'APK est là pour nous montrer toujours Moussa Malam pour nous. Mais c'est Omana, est-ce que le Congo a besoin de dons ou besoin de réalisations? Écoutez, nous avons besoin de réalisations, c'est une bonne chose, mais devant une maladie, quand nous sommes devant un fait, il faut apporter tout de suite les médicaments et les produits. Parce que donc, cette situation sanitaire a prouvé au monde entier que le Congo n'était pas un état. Parce que Bafay Zébélé, Katumbi, lors de ses 8 ans, s'il vous plaît, parce que Katumbi, lors de 8 ans de son mandat à Katanga, au Katanga, il pouvait aussi construire des hôpitaux aux normes européennes aujourd'hui. Parce que cette situation, il a qui s'y a défaut, il y a politicien, il y a l'incapacité, il y a manque de vision au niveau de la politique. Alors, lorsque vous, maintenant, vous faites la politique, quand vous faites les dons, nous avons l'impression que les Congolais vivent que les dons au lieu de vivre des vrais. Palper la réalité ou l'intérêt général, il y a beaucoup de. Je vais ici vous dire une chose que Bissot Tozali n'a deux lignes de conduite importantes dans Bokana Bissot. Il y aura des réformes structurelles si nous sommes aux affaires. Ce sont ces réformes-là qui vont nous permettre de pouvoir bien diriger le pays. Mais il faut en parler maintenant. Écoutez, c'est ce que je suis en train d'en parler. C'est lui qui l'a dit, c'est moi, ce n'est pas vous. Donc ça vient de l'opposition, ça vient de l'APK, ça vient de l'Ensemble pour la République. Ah, ces réformes structurelles, vous savez, souvent, les hommes politiques congolais ont tendance à porter des projets de développement sans apporter des projets structurels pour Nauka Mamboka. Alors, tu peux développer un pays, tu peux construire des routes comme un bateau, Bamituka et consorts. Une fois que la structure n'est pas bonne, le coin négocié écroulé. Voilà pourquoi il y a deux chèques en échec aujourd'hui. Action pour le Congo, APK, par la voix de son président Meshomana Otulie Evariste, est en train d'apporter le réforme ou le projet structurel pour la Kobongisa Mokanabiso. D'abord, nous devons. Donc, ça, c'est l'APK qui porte cette vision. Exactement. Pas Moïse Katumbi qui porte cette vision. Écoutez, nous sommes dans un grand ensemble. Parce que Moïse Katumbi a dirigé pendant 8 ans, on n'a pas vu ses réformes, la sortie, on n'a pas vu ses réformes qui fait progresser les grands Katanga aujourd'hui. Non, le réforme structurel dans le niveau Katanga, quand Katumbi était gouverneur, était tellement visible. Il a assaini le monde des quand affaires. Quand il est parti, tout est revenu à zéro. Il est parti parce que la politique dictatoriale de la Kabylie, quand elle est arrivée, pour essayer de casser l'image de Katumbi, ils ont voulu noyer tout ce que Katumbi a fait qui était bien pour le peuple. Heureusement, le peuple a gardé une belle image, un bon témoignage. Namisela à Moïse Katumbi, voulant détruire, saper la réputation, la carrière de la personne, ils ont puni le peuple congolais. Et c'est ce que nous condamnons aujourd'hui. La politique ou l'opposition ou le pouvoir n'est pas un problème d'ennemi. Nous pouvons avoir des avis ou des positions ou des visions différentes pour faire la politique, mais nous ne devons pas avoir l'animosité. Mais le camp de la Kabylie, du pouvoir du passé, a manifesté l'animosité contre la personne de Katumbi. Voilà pourquoi ils ont apporté Bamakamu Mabé pour Nako Bébi Samilsan sur Katumbi. C'est là qui m'étant, vous avez gouverné, à cela qui m'étant, ya Malam. Je peux vous dire aujourd'hui, le peuple congolais, Bayébi, ça peut être l'une des personnes qui a bien géré la chose publique dans Bokana Bissau, à l'instar de tous les autres. Simple question, parce que là, on a accusé Kabila est en train de chercher à instruire quelqu'un qui va diriger la CENI à sa faveur. Donc, si Moïse Katumbi aujourd'hui est candidat aux élections. Il sera candidat en 2023. Oui. Et que si la Kabylie dirige encore la CENI, Katumbi ne serait pas président. Alors, à ce cas-là, pourquoi Katumbi aujourd'hui ne forme pas une autre génération qui peut pousser aussi devenir président un jour? Écoutez, M. Mouzon, je ne voudrais pas personnifier le débat politique autour d'une personne, Moïse Katumbi. C'est votre leader. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je vais rester dans le principe démocratique et juridique. Je pense que la CENI, c'est une entité d'appui à la démocratie qui est neutre. Alors, de ce fait, nous pensons que ce qui salue Malamou, pas seulement dans la mandature Oyo, après et plus tard, notre problème, c'est ériger des institutions fiables qui doivent être pérennes pour l'intérêt du peuple, pas seulement sur la personne de Katumbi. Moïse Katumbi, aujourd'hui, ne sera pas candidat en 2023 au forum Bajen qui peuvent défendre les pouvoirs. Parce que s'il reste candidat, vous allez échouer si Kabila prépare quelqu'un à sa faveur dans CENI. Écoutez, ça c'est votre avis, mais moi je pense que le président Katumbi est plus représentatif dans le cœur du peuple congolais. Et s'il se présente aujourd'hui. Il a aussi la jeunesse pour diriger le Congo. Il a toujours formé, je peux vous citer M. Salmon Escadela, qui est aux côtés de lui.
aujourd'hui l'un des meilleurs conseillers congolais. Il a été formé par M. Katumbi. Moi qui vous parle, j'ai été formé par M. Katumbi. Donc derrière le président Katumbi, il y a une grande génération de katumbistes qui est devant en train de travailler. Il sera aussi demain candidat à la présidence en dehors de Katumbi. Écoutez, c'est très important. Katumbi, je ne veux pas voir plus loin. Il faut créer une classe politique dynamique qui peut diriger le Congo bien. Dans l'APK, tout comme dans votre mouvement de Moïse Katumbi, les bons maîtres de temps, on voulait qu'à chaque fois vous bloquez le processus de développement si vous allez dans la et pas à Moïse Katumbi. Il faut. Vous savez, dans le katumbisme, pour nous, Katumbi, c'est un modèle. Le modèle, l'exemple, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a montré un exemple qui est belle, que les hommes et les femmes peuvent suivre. Et en tant que modèle, M. Katumbi a su communiquer sa vision et sa façon de faire à une jeunesse qui le suit aujourd'hui. Des parlements et surtout au Congo. Donc, de ce fait, M. Katumbi a laissé ses empreintes au travers de la jeunesse. Et c'est ça une formation idéologique. Mais je pense que M. Katumbi lui-même aujourd'hui est préparé et le peuple le regarde pour devenir demain un bon candidat et concourir afin d'être l'un des dirigeants de ce pays qui va laisser les empreintes indélébiles. Les Congo à L News, première chaîne d'info. Merci Oumana. Simple question, parce que la transition à la Congo, ça c'est le problème. La transition à la Congo, aujourd'hui jusqu'en 2023, Félix Tshisekedi de dire non. La France et la Belgique, nous savons très bien apporter du soutien à la Mouka, fortement. Oui. Aujourd'hui, dans la Congo, bah, c'est une transition. Bah, côté ça, l'opposition que vous êtes, vous, la Mouka, vous êtes la gouvernement Union nationale, comme ça l'année 2006. 4 plus 1 encore et c'est répété. Autrement, la Katumbi, la Martin Fayoulou, la Jean-Pierre Bemba, peut-être qu'on s'est retrouvé encore dans le gouvernement de Félix Tshisekedi comme la vice-présidente. Oui. Alors, vous, votre position, parce que très souvent, vous ne dites rien. On a la remarque, en même temps, ça, la vous avez la hypocrisie, la classe politique congolaise. Vous faites autre chose, mais en réalité, vous savez autre chose, vous causez la population. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous reposez dans le gouvernement à transition au cas ou pas? Parce que Félix dit non, Félix se refuse. Je suivis Martin Fayoulou qui disait que nous voulons des négociations, nous voulons discuter sur une table. Il a dit à RFI, à l'OBI, que j'ai demandé à un proche à moi de s'approcher de Félix après sa téléphone pour que tout cela. Parce qu'ils ont besoin de la transition. Vous, Moïse Katumbi, la Mouka, est-ce que vous allez Sima et Madame la transition ou pas? Parce que ça détruit les Congo. Non, Monsieur Mouzon, vous savez, la transition, c'est une période entre une précédente qui est mal passée et une autre qui doit venir, donc qui doit être bien préparée. Nous estimons que Monsieur Félix a commencé son mandat, a commis Mokonzi Mboka de la manière dont il est arrivé. Je ne vais pas revenir sur le cadavre du passé, mais le train est passé, comme disait Moïse Katumbi, nous devons le suivre. Maintenant, on s'inscrit sur l'avenir. Tozela a su sa mandat naé. Ça se passe mal, nous le savons, l'UDPS le sait, parce que c'est la première fois dans Mboka en Abisso. Écoutez, nous ne sommes pas là pour recevoir une leçon de n'importe quel pays. Le Congo, c'est un pays souverain. La France n'a pas à venir s'ingérer dans Mboka en Abisso. Nous sommes Congolais, c'est à nous de trouver notre solution. Par ici, je vais interpeller Bande Mboka en Abisso, ma Congolais, Ezala, Mboka, ton réseau, je soutiens la Banda. Makambele, Makao, France, Akoya, États-Unis, Akoya, Kobunde, Abisso, Angola, Kopé, Sabis, Mboka, non. Ma Congolais, Bango, Mboka, nous sommes là pour nous lever en fait que notre pays demain soit mieux et c'est avec nous que nous voulons faire ce travail là. Nous ne reconnaissons pas, non, loin de nous toute manipulation. Nous sommes des politiciens responsables, aucune manipulation ne peut nous toucher, nous influencer. La chose que nous sommes en train de faire, manipulation, et France a okikoya, azana makamona bango, tozana ya biso, batika biso to bongisa. Et le kotobo ezali ingérence. Colonisation ici et si là. Esclavage ici et si là. Le Congo est un pays libre, reconnu par l'ONU naba état nyonso. Donc nous voulons traiter le problème du Congo par le Congolais. Comme le monde a disait. C'est à nous d'écrire l'histoire de notre pays. Makambo koyan à Bruxelles, et qu'on est États-Unis, qu'on est en France, ce n'est pas notre problème. Initiative d'Amango, nous savons l'aboutissement, c'est quoi? Chercher à contrôler les politiques, l'évolution et la marche de notre pays. Mais c'est Omana Toboyango. Mais c'est Omana Tokundina Esther, parce qu'aujourd'hui, Tomoni Koni a déplacé la militaire rwandais, ougandais, Tutsi, à Inamana Esther, République démocratique du Congo, effectivement, au Congo, pour au Senga, dialogue intercommunautaire. Politiciens, militaires, généraux congolais, l'armée congolaise, l'administration
congolaise et son mouvement armé pour défendre l'intégrité. Il y a aujourd'hui, il y a trahison. Ils ont pas généré le sous-nourra. Chaque combat pour traverser un bas village, pour la terre, vous étant que politicien, parce que silence à Katumbi. Aujourd'hui, Katumbi ne dit rien. La position est là, on va se lever au Moroté. On se pose la question, est-ce que vous avez opposant au hasard aussi nager au Nassar dans la République démocratique aujourd'hui dans la République démocratique du Congo? Parce que tout le monde aussi dans Zambie, parce que tout le monde est Zambie, dans la République démocratique du Congo, dans le sud. Alors, la terre, il y a Katumbi dans le Katanga. Katumbi, silence absolu. On se pose la question, est-ce que vous avez prêt? Non, pas du tout, monsieur Mouzon. Tout le jamais, jamais, alors jamais, traître. Tous alliés, nous faisons corps avec notre peuple. APK est là pour se battre et défendre la patrie. Tout Yébi qui est Makambo et les Katina Zambi, Bakoti pendant 30 km, durant 30 km, dans Bokana Bissou. Zui, courage, Yako Picola, drapeau, Yako Koti, Yako Yabango. Tout le monde, Makamboana, tout le monde, Tamoukete. La Zambie, c'est un pays frère. Et nous pensons que nous pouvons traiter avec eux. Mais une seule chose que je reconnais aujourd'hui, en tant que politique, on doit se dire la vérité en face. Notre armée est faible. Notre armée depuis très longtemps est infiltrée. Parce que l'armée est infiltrée. Le commandement n'est pas unique. Les militaires ne sont pas bien payés. Ils ne sont pas aussi équipés. Je suis en train de dire ici. Peut combattre sa mission, n'ingissa pas. Les élections, toujours à pouvoir peut-être diriger mon cannabis. La première des choses sera nous attaquer à l'armée, qu'on réforme un peu, qu'on forme un malam. Et c'est une armée professionnelle, bien équipée, bien outillée, bien vêtue et bien payée. Excusez-moi, je vais finir. Oui, bâtique ma matériel, pourquoi j'en ai appris. C'est un domaine que je ne maîtrise pas bien, mais je vais parler avec beaucoup de réserves. Certainement, ils ont reçu des commandements. Je dis, ils auraient reçu des commandements pour que abandonner la position à Bango, batika ba arme lourde de tout Yabango, batika position pour que Beninda occupe le cannabis. Surtout là, je suis à l'est. Surtout dans l'est, nous avons des acteurs politiques de haut rang qui occupent des fonctions énormes dans le cannabis, des fonctions importantes pardon dans le cannabis, et qui ont aussi des fractions rebelles qu'on a dans l'est. Et puis, basali que tout s'amitié dans le moka kubuma pour grossir pour violer ma maman depuis très longtemps. Alors, tous allez quoi interpeller ici le chef de l'État, l'institution, président de la République. Alors, Baki a coaché la bisso poste avancé pour la sécuriser Mbokana Namboana. Mais ce qui bisso au Manaoutchou dit Toyebi, ça veut dire que le chef de l'État est le citoyen numéro un qui doit être bien informé, il le sait. Alors, j'interpelle M. Tshilombo Félix, Mokonziambok, Salamakas, Batounio Sobazali, Nzinga Zinga Nayopi Bazana politique, Naba fonction mien Namboka Lolo, Bazana fraction rebelle Nambokana Bisso, Baton et Sengeli Bakangama. L'état de droit, c'est ça. J'ai la liste ici qui m'a été communiquée. Il y a une coalition, il y a Barébélion, il y a Bengami, Ngomino, M. Bengami, Tungano, M. CNRD, M. Ritabora. Donc, Batouana, M. Bazoubanoba, Android, M. FML, Bauti, na Rwanda. Batouana, Bazali, Koboma, Kobebisa, Kobourgé, Peko Kipe, le territoire Nabisso. Parce que c'est à Joseph Kabila, ça s'est passé la même chose. Alors, qui donne les instructions? Kabila a fait des instructions ou bien Félix a fait des instructions? Qui a encore, comme on le dit, quand il y a pays, la politique, tout comme l'armée, il y a des infiltrés. Alors, qui donne l'instruction à ces cas-là? Vous savez, quand les autorités militaires, des généraux qui dirigent les opérations dans l'Est, la front, Bissika Bitou Mesali Ko Bundama, Ndula Matari a joué ba arme ba pesi bango. Batouana ba joué commandement. Il faut d'abis abisso, commandement na iuta ki paya nani. Mais nous savons que la condition abisso, le garant de toutes les institutions, chez le chef de l'État, le président de la République. Je pense que ce qui nous est bezali, il est redevable pour nous expliquer, pour nous donner des explications. Après abisso, ma explication de ma matali ma kamwa est. Alors, Bakina Bisso, depuis campagne, qui a considéré ça, Bitumba, Kine Kozonga, Lelo Kine Ezalite, un et demi à pouvoir, Batoubazo, Koufa Bitumbezo Bundama. Parce qu'il y a trahison sur le chef de l'État. Oui, les Kamotali ONU, je viens à venir par là, M. Mouzon, les Kamotali ONU, c'est très important. Ça fait plus de 23 ans aujourd'hui, ONU, et ça n'a pas d'abisso. Ils ont un contingent, il y a un monde qui vaut des millions, voire des milliards, mais qui est toujours la solution, mon côté, Kine Komakate. Alors, moi, je pense, en tant que responsable politique, et c'est ONU et l'ongwa éthique en Bokanabiso, peuple Abunda Yemoko. Comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui la Congo? Toujours la armée nationale FRDC, mais il y a le Maïmaï qui ont formé
une coalition d'autodéfense pour qu'on défendre Mboka Labango. Ça veut dire que l'armée n'a pas accompli sa mission. Ceux qui battent Bazo Koufa depuis que l'ONU est Zawana, ça veut dire que l'ONU n'a pas accompli sa mission. Mais alors que nous autres les billets, on peut allouer pour d'autres choses. Moi je pense que l'ONU doit partir. Je ne veux pas accepter. Non, dialogue intercommunautaire, ceux qui vous posent là, ce sont le peuple congolais eux-mêmes qui vont décider. Voilà pourquoi dans le cadre de la réforme structurelle, il y a Bissonakatia APK, nous nous sommes dit, nous devons retourner le pouvoir aux chefs coutumiers qui connaissent bien le terrain, c'est à eux de pouvoir impulser un changement. Il y a un chef coutumier à Esteban, réveillé toujours dans le cadre de la rébelle, non, ce ne sont pas rebelles, monsieur Mouzon, ce sont des militaires rwandais qui ont entré dans Bokanabiso sans aucune permission et qui ont enlevé le chef coutumier d'un territoire et qui l'ont ramené jusqu'aujourd'hui. Nous ne savons pas où il se trouve. Voilà. En tant que politique, j'exige sa libération et Azalana bonne santé. Parce que nous ne pouvons pas accepter un groupe militaire étranger et qu'on a Bokanabiso aucun de quoi enlever autorité dépositaire, l'autorité ancestrale, un chef coutumier. Non et non. APK Azali Koubunda pour la protéger. Patrie Nabiso et Bitouma Nabiso et Kinetina Souka, nous voulons la paix dans Boko Nabiso. Monsieur Mala, parce qu'il y a 30 secondes à faire cette émission. Oui. Parce qu'il y a 30 secondes. L'objectif, il y a APK aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, la France, la zone de la APK. Boutikali, l'un de parmi les mouvements au Gaza stable et crédible ici aujourd'hui, en France, en Europe. Alors, votre idéologie, c'est quoi? Votre idéal, qu'est-ce qui fait de vous aujourd'hui qui est beau exister encore? Vous avez 20 secondes. APK, c'est un mouvement politique citoyen qui se veut populaire et rassembleur, qui lutte pour défendre la patrie et chercher à développer notre pays, le Congo, avec ses potentiels. APK travaille avec son peuple. APK se finance seul avec la cotisation libre et volontaire et des membres. Mais APK a l'ambition, le but, parce que nous sommes capables. Et au sein de l'APK, nous avons des hommes et des femmes, et surtout la jeunesse montante, qui a de l'ambition et qui a la volonté. Pas une volonté pour aller faire du mal, une volonté pour diriger le pays comme il faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Omama. Une seconde. Oui, en tout cas, j'en appelle à tout le monde de venir adhérer dans notre mouvement politique APK qui se veut très populaire et qui a l'ambition de pouvoir demain diriger le Congo comme il faut avec tous les Congolais et surtout la jeunesse. Venez, la porte est ouverte, APK est à vous. Merci beaucoup, monsieur Mama. Je rappelle que vous allez très proche de Bakou. Exactement. Merci, monsieur Mouzon. Surtout que ça vous met, parce que cette émission, cette chaîne est là pour vous informer. La vérité et la réalité. Et dans cette chaîne, abonnez-vous, à très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'infos.